Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue, on touche pas à bon. Quel bonheur. Ah là là, j'ai passé un week-end. Oh, les gens dans la rue. Quand ils me voyaient, les gars. Il y avait deux types de gens. Il y avait des gens, quand ils me voyaient, ils avaient l'impression de croiser Mesrine. Genre, tu vois, chaud, tu vois. Et des gens, mais qui me tombaient dans les bras. J'ai eu des... Vous me regardez bizarre? Non. Si Oula. Vous n'aimez pas mon style, n'en dégoûtez pas les autres. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tout va bien, non, non. Il y a un problème? Non, frais, tranquille, vous êtes là, hein. Oh, oh. Frais, tranquille. Pas mal. Des gens m'ont appelé, des gens... De mes, de, tout le monde m'a appelé. Je te jure, ils m'ont fait... Hey, tu vois pas qu'ils m'ont fait du bien, les cons? Je te jure, il y a des gens dans la rue, ils me disaient, on va, on vous aimait bien. Depuis le complément d'enquête, on vous aime encore plus. J'adore. Et voilà, je les ai embrassés. C'est pour ça que j'ai fini dans un troquet avec une dizaine de personnes et on a refait le match. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, est-ce que Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, t'a appelé? Ah oui, alors. Bah, elle m'a pas rappelé, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la rappeler. Jusqu'à ce qu'elle réponde. Bah, attendez, les gars, quand je fais 3 millions. Même pas des fleurs ou quelque chose? Mais quelle des fleurs? Même pas rien du tout. Même pas une couronne mortuaire. Juste un merci. Je la rappelle, j'en ai rien à foutre. Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, la grande patronne. Il n'y a rien en tout souhait là. C'est France 2, France 3, France 4, France O, France 700, France tout le monde, France même France Pays-Bas. C'est parti, deuxième sonnerie. Bonjour, vous êtes bien sur le... Ah, vous a mis direct sur la messagerie. Ah, je m'en fous, je vais l'appeler tous les jours. Elle a appelé sur raccrocher. Faut l'appeler avec un autre numéro. Ça marche pas non plus. Ah oui, tiens. Delphine. C'est encore Cyril, ma Delphine. Bon, bah, j'attends toujours, hein. 3 millions, c'est pas tous les jours. Donc, écoute, je vais te rappeler tous les jours, Delphine. Je t'appellerai demain à 18h54, voire 55. Essaie de répondre qu'on puisse échanger pour voir les modalités de paiement. Non, mais c'est important, quand même. C'est bon. Je veux bien. Merci Delphine, sinon je serai obligé de défalquer du contrat de Nagui. Merci, je t'embrasse. Salut Delphine. Bon, bah, voilà, ça c'est fait. Non, je suis content. Comment ça va vous? Vous êtes heureux? Tiens, vous n'avez pas dit ce que vous en pensiez, vous? Le Bernard Montiel, c'est un petit peu le showbiz. Qu'en a pensé le showbiz, hein? Le grand monde du showbiz. Kelly non plus n'a pas dit ce qu'elle en pensait. Si vous voulez en dire un mot, vous en direz dans un instant. Elle est d'arcade ce soir. Elle a envie de rire. Elle fera ce qu'elle voudra. Elle fera ce qu'elle voudra. Moundir aussi n'a pas donné son avis. Parce que j'étais pas là, moi. Bah oui, mais je sais. Moundir, il veut parler. Et Géraldine, elle l'a donné, bien sûr. Géraldine, t'es formidable. Enfin, ben, on l'a vu ensemble. Oui. On l'a vu ensemble avec Géraldine. Ah, il y a des préférences, c'est bien. Non, pas du tout, c'est qu'elle me suivait. Surtout GG. Surtout GG, t'es collant. Alors, ce que j'en ai pensé, j'ai évidemment regardé, ça m'a intéressé. Ça fait partie des 3 millions. Et j'ai été extrêmement déçu parce qu'il n'y avait rien dedans. Voilà. Mais qu'est-ce que tu croyais qu'elle allait avoir? Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Non, mais sans rigoler. Non, mais déçu par le travail, ils ont dit, ils ont annoncé 2-3 ans. Bah, tu veux que je te dise? Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'ils ont bien travaillé, ils ont. Voilà. Rien, mais c'est qu'il y a rien. Moi, je trouve ça, j'ai regardé, ça m'a plu. Il y a un truc quand même qui m'a dérangé, c'est quand ils nous font dire comme quoi on doit répéter ce que vous dites. On va en parler. Ça, c'est un peu agaçant. Ça, on va en reparler. On aime bien ça. On aime bien refaire ce débat. On peut le refaire 100 fois. On adore ça. Les chéris, franchement, on est lundi, on est en direct. Et sachez qu'on est bien. On est très heureux. Donc, toi, c'est tout ce que tu as à dire? Ouais, rien, quoi. D'accord. Écoute, c'est hyper sympa que tu sois là. J'adore quand tu viens. Vraiment. Tu sais qu'en plus, je pensais à toi hier. Et je disais, Bernard Montiel, on le voit pas assez. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en plus, tes initiales, c'est BM. C'est l'initiale de Bar Mitzvah. Non, mais c'est vrai. Et quand tu viens, c'est toujours une fête. Non, mais c'est vrai, je te jure, c'est vrai. C'est j'adore. Tu veux pas qu'on fasse ta Bar Mitzvah, là? Non. Je te mets sur une chaise, je te lève et tout, sans rigoler. Non. On fait un kiff sans rigoler. 72 kilos, quand même. Hein. Bah, 72 kilos, oui. Pas mal. Quoi, c'est comment pas mal? T'es mince, c'est beau. C'est mince. Oui, 72. Attends, c'est bon, je m'en fous un peu. Kelly, voulait dire un mot ou pas? 72 ans, vous en foutez total. Non. Alors vous, parce que vous avez dit ce que vous en avez pensé à vos amis ou pas du tout? Le truc, c'est qu'on aurait aimé vous voir... Vous êtes fait chier? Bah, en fait, on aurait aimé
voir ce qu'on nous a annoncé, vous faire défoncer. Et on est dégoûté parce qu'on n'a rien Quoi, attendez. Vous auriez aimé voir les jambes défoncées. Bah, c'est ce qui était programmé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils trouvent? Bah justement, je suis un peu déçue. C'est pas si érosif que ça, votre vie. Enfin, elle est plutôt tranquille. Bah oui. Alors qu'est-ce vous êtes monotone au final. Donc vous avez été déçu. Mais si vous aimiez bien les passages. Non, au final, on voit bien que bah qu'il y a rien à voir et que vous aimiez les passages où il me défonçait. Bah c'était drôle. On s'est marré. Mais au-delà de ça, oui, on sait qu'au final, il y a pas. S'ils ont enquêté pendant un an et que pendant un an ils n'ont pas trouvé des choses. Ils vont pas inventer. Bah oui. Bah c'est ce qu'on se demandait à la base. Est-ce qu'ils vont oser inventer? Non, après il y a des trucs. Voilà. Ils ont un peu inventé. Ils ont inventé. L'histoire des chroniqueurs, ça par contre. L'histoire des chroniqueurs. L'histoire de un gars a dit il aime pas ce gars-là parce que non mais c'est vrai ça aussi bon voilà le seul truc qu'ils ont pas inventé c'est vrai que c'est Khazar c'est vrai que je l'ai appelé voilà ça je m'en suis jamais caché voilà c'est tout ça c'était pas inventé puis là, les mecs qui témoignent à visage découvert déjà c'est plus compliqué de mentir après un gars qui a dit un autre gars que j'avais des mocassins c'est bon quoi voilà oui non oui bah voilà moi j'ai on a couché en fait parle comme onomatopée oui voilà j'adore on a couché les enfants et j'étais très content parce qu'on a pu se concentrer sur ce petit complément d'enquête et juste moi le plus drôle que j'ai trouvé tu sais c'est quoi Cyril? C'était le micro-trottoir qu'elle t'a fait. C'est-à-dire qu'à un moment, t'arrives, t'es pressé, t'as ton casque, t'as envie de partir, elle te retient. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé que ça de très intéressant. Pour ce qui est du reste, bon, que tu manges des burgers ou que tu prennes un bateau, rien à foutre, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, c'est vrai. Franchement, tu fais ta vie, c'est bien. Il y a l'histoire de copilote aussi. Alors, je m'inscris copilote. En faux. Ah oui, c'est vrai que vous êtes le copilote. Ah oui, c'est lui le copilote. Je n'ai jamais Parce que je peux vous dire que si c'était lui le copilote de mission, ce serait souvent craché. Hein. Voilà, c'est pour ça que je m'inscris en faux. Ils disent que Belaïm, elle sert à rien, elle fait que de rigoler. Ils disent que Kelly. Voilà, Kelly. Ils ont parlé du côté gauche. Non, je ne dirai pas. Non, je ne le dirai pas. Dites-le. Il a dit. Ça a été dit. Non, alors, c'est quoi? La potiche. Qu'est-ce qu'une potiche? Comment tu y parles? Mais moi je sers à rien et je ris et elle c'est une potiche, c'est très agréable. Et non, et eux, vous ils ont même pas parlé de vous parce que vous êtes le côté le plus nul, ça veut dire vous. C'est ça. En fait, vous quand même vous ils ont parlé de vous. Eux ils existent même pas. Non, comment tu veux dans un complément d'enquête qui parle de TPMP, Gilles Verdez n'existe pas. C'est impossible. C'est une potiche moche. Non mais c'est vrai, qu'est-ce que t'as à toi? Alors c'est ça ton problème. Je te le dis, c'est pas ici. Tu sais, ça va vite. Avant, t'as eu l'habitude de faire des émissions sur France Télé où ils ont tourné complément d'enquête, où ça va à deux à l'heure. Où les gars, ils se réveillent le matin, ils savent même pas qu'ils sont réveillés. Ici, ça va très vite. Donc, tu peux pas parler en même temps que les autres, chérie. Sinon, tu fais comme ça. Tu sais quoi? Je vais te donner un truc maintenant. T'enlèves ton dentier, tu fais comme ça. Et je sais que tu veux parler. Ok? Je sais que tu veux parler. Alors, le chauffeur de salle, toujours à côté de la plaque, c'est pour ça que je l'adore. Il crie, on sait pas pourquoi. Il a crié, on dirait qu'il avait mal aux dents, sur la tête de ma mère. Non, mais Gilles. Non mais ça veut dire que toi tu sers à rien, ils ont dit. Rien de tout. Ouais. Alors vous avez vu, on va parler deux secondes de ça parce que c'est marrant. Moi j'aimerais bien. Oui allez-y. J'étais aujourd'hui en train de faire des courses et j'ai à la caisse c'était une charmante demoiselle avec qui j'ai discuté parce que voilà et elle m'a dit oui ça va c'est pas trop compliqué en ce moment avec ce qui s'est passé avec complément d'enquête et tout. J'ai dit bah comme t'as vu il s'est pas passé grand chose. Elle m'a dit oui mais bon il y a quand même un commentaire qui disait en anonyme que votre patron était compliqué. Alors moi je lui ai posé la question et je lui ai dit mais est-ce que toi avec ton patron tu rigoles tous les jours, est-ce que ton patron il t'aide dans tes projets, est-ce que ton patron tu le connais même? Elle me dit bah non il est horrible avec nous, c'est compliqué. Et là tu m'as dit bah ça tombe bien on a le même patron. Non mais alors, et là tu lui as dit quoi? Je lui ai dit bah oui c'est un patron comme tous les patrons, donc c'est vrai que parfois non, il peut être compliqué. Bah j'ai pas eu beaucoup de patrons dans ma vie donc je ne sais pas. Mais j'étais le patron que vous avez eu le plus longtemps. Ouais. Exactement. Juste, excuse-moi, ils ont attendu les gens et derrière avec leurs courses et tout. Là, tu parlais avec la caissière. Ouais, problème en caisse numéro 3. Non, après, je me pose sur le côté comme ça. Non, mais c'est fort. Mais c'est pas mal ce que tu dis. Alors, moi, j'aimerais, je vous jure que j'ai pas prévu la séquence. Puisqu'il y en a plein qui travaillent avec moi ici.
S'il y en a qui veulent s'exprimer, comment ils ont trouvé le complément d'enquête, ah ouais, ils peuvent venir, que ce soit Lionel, Jo, ceux qui veulent. C'est ceux qui veulent. C'est si vous voulez. Si vous voulez pas, vous ne faites pas. Voilà. Même des cadreurs, s'ils veulent. Il y a plein de cadreurs qui travaillent avec moi. Des perruques et des lunettes, genre anonymes. Non, non, non. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent venir. Même en régie. Même en régie. Et puis même, voilà. Tous ceux qui veulent, ils peuvent venir. Même Soraya, elle m'a dit non, déjà, je me fais insulter. Non, mais allez-y. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Non, mais Mokhtar, je sais très bien. Mokhtar, il va dire. C'était une Gazmir, je le connais par cœur. C'est pur, c'était éclaté. Ouais. C'est nul. C'est éclaté. Tu dis plus de trucs ici que. C'était nul. Oui, c'est vrai qu'il dit. Voilà, il résume bien. il résume. Oui. Lionel, tu veux dire un mot ? Vas-y, va bien. Lionel, ex-link-up, maintenant mon bras droit, mon co-animateur un peu, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu mon co-animateur, parce que c'est vrai qu'il fait un travail exceptionnel, Lionel, je voudrais le dire. Non, mais c'est vrai. Maintenant, tu peux dire du mal de moi, connard. Qu'est-ce que je dis de. Non, mais non, comment t'as trouvé ? Dis la vérité. Non, franchement, après, les gens vont dire, ouais, c'est. Franchement, ouais. Claqué au sol. Bah, il n'y avait rien. Ça prend rien. Et. Il y a plus de choses sur le plateau ici, tu vois. En fait, ce qui est génial, c'est que ils ont essayé de trouver des choses que tu dis déjà. Tu es sur un plateau, tu dis tous les jours ce que tu penses. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont gaspillé de l'argent pour faire un complément d'enquête. Tu crois toujours en mon étoile ? Ouais. Merci. S'il y en a d'autres qui veulent venir, avec grand plaisir, les chéris. Vraiment avec grand plaisir. Et puis, je vous raconterai un petit truc là qui m'est arrivé là, ce week-end, parce que j'ai eu des appels, franchement. Fort. Ah. Très très fort. De la haute instance. Je peux pas vous dire qui, mais tout le monde m'a appelé. Bart Simpson. Ah. Est-ce que la journaliste vous a appelé de complément d'enquête pour vous remercier? Oui, ah, oui, c'est vrai. Pour l'inviter d'ailleurs. Ah, oui. Non, c'est vrai, mais c'est on les a invités. On a appelé tous les jours le service de presse de France 2. Alors, pour inviter Tristan et Virginie. voilà. Et là, j'allais chercher la mouche. Pour l'instant, il ne doit pas venir. Regarde le gars derrière. Sachez qu'ils sont les bienvenus. Ah, et il y a ma mère qui dit Kelly, j'ai eu le même problème à la caisse du Bon Marché. Mais c'était Marlène Schiappa. J'étais très heureuse de parler avec elle. Mais non. Ah, elle est caissière. Oui, elle est caissière. Elle était voilà. Bonne, bravo. Voilà. Bah, voilà. Bon, on se retrouve dans un instant.